Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup pour les 600 abonnés que nous avons passés hier. Donc, nous sommes à 601 abonnés. Continuez à vous abonner à notre chaîne. Et ça nous fait énormément plaisir, bien évidemment. Aujourd'hui, je vais vous présenter, c'est pas vraiment une présentation, c'est un porte-vélo qu'on a acheté, mais qui, tout compte fait, ne nous convient pas. Alors, il convient parce que c'est un porte-vélo sur attelage, mais il ne convient pas dans la façon dont les vélos sont positionnés dessus. Donc, pour cela, je vais le modifier, et là, on va vous montrer les vélos, comment ils sont dessus, et c'est vraiment pas génial. Mon cœur, tu veux bien venir, s'il te plaît? Voilà. Bah, j'ai mon assistante qui arrive. Hein. Parce que tout seul, le vélo. Bonjour tout le monde! Allez, on Bon. met le vélo. Allez, on y va. Alors là, on va vous montrer comment le vélo se positionne dessus. Et pour nous, c'est pas du tout satisfaisant. Attends, bouge pas, que je l'attrape comme il faut. Allez, on y va. Hop! Là, vous voyez, le vélo, il est carrément sur le bas, autant d'un côté que de l'autre. Je le tiens. Tu le tiens? Si tu veux l'attacher pour montrer, non? Oui. Tu le tiens? Oui. Allez. Là, je vais vous montrer comment le vélo en fait est positionné. Vous voyez, carrément. Carrément en bas ici. Voilà, et ça, c'est vraiment pas génial du tout. Allez, pareil là aussi. Alors, comme vous avez bien pu voir, c'est pas génial au niveau stabilité, on n'aime pas du tout. C'est un porte-vélo qu'on a acheté où, ça, mon cœur, déjà? On l'a acheté à Feu Vert à Mérignac. On l'a payé. Alors, il était très peu cher. Maintenant, on comprend un petit peu pourquoi. Parce qu'il n'est pas pratique du tout. On l'a payé 249 euros. Mais bon, ce système-là ne nous plaît pas. Donc, on a trouvé un autre système qui nous coûte. Enfin, les pièces que vous allez voir et que Daniel va vous montrer en tuto, la façon dont on va installer notre nouveau porte-vélo, ces pièces-là nous ont coûté 50 euros. Donc, c'est un porte-vélo qui va nous revenir à 300 euros 300 euros, ouais, au au lieu lieu de de. 500 euros Voilà, un tulle. un Parce que tulle. celui-là, c'est un Green Valley. Alors, Voilà. il est bien, tout fonctionne bien, c'est pas le problème. On a tout testé, les feux, tout fonctionne bien. Le système de la plaque est adapté, ça tient aussi. Le seul truc, c'est que c'est ce positionnement-là sur le système qui est pas génial du tout. En plus, ça tire énormément une fois sanglé sur les rayons, et ça, c'est pas bon du tout. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai pris, enfin ce qu'on a pris. On a commandé des. Tiens, tu le tiens le vélo, mon cœur? Oui, et puis le fait que tout est en plastique. Donc après, le camping-car, je veux dire, quand vous passez les Dodanes, ou même si vous avez des routes un petit peu caoteuses, on a peur qu'avec le poids du vélo et les. Enfin, je ne sais pas comment on peut dire, mais enfin, vous avez compris que le plastique casse, quoi. Même si c'est étudié pour. Voilà, le plastique n'est pas très très épais pour coincer le vélo, quoi. Donc là, on a acheté deux rails Fiamma. Fiamma, deux rails Fiamma. Ce sont des rails supplémentaires pour les porte-vélos Fiamma. Voilà, c'est des rails. Voilà. Donc j'ai commencé déjà à démonter un côté, je vais démonter l'autre côté, et en fait, on va adapter ceci comme ça. Alors, effectivement, le petit souci qui va se poser, c'est que à la base, c'est un porte-vélo qui est pliable. Oui. Ben là, il le sera plus. Mais bon, pour nous, c'est pas dérangeant. Non, c'est Quelque pas un. part, Oui, non. voilà, on s'en fiche. Mais comme vous pouvez le voir,
on aura quand même les vélos qui seront beaucoup plus stables et ça bougera beaucoup moins. Donc là, je vais percer et je vais me resservir des pattes qui sont dessus. C'est tout bête, tout simple. Et ça va être beaucoup plus pratique. Donc moi, je vais commencer à faire ça. Je vais tout préparer et après, on vous reprend à la suite pour vous montrer le résultat final avec au moins un vélo comme on a fait là posé dessus. Allez, ben je vous dis à tout à l'heure et pour vous, c'est à tout de suite. Allez, là je vous reprends et je vous montre ce que j'ai fait. Alors, ce que j'ai fait, j'ai mesuré que ce soit égaux de chaque côté, là et là. Et pour fixer le rail, je me resserre des pattes d'origine qui sont à l'intérieur. Voilà. Alors voici le premier que j'ai fait. Voilà ce que ça donne. Et l'autre n'est pas fixé. Je m'en occupe et je vous reprends juste après avec les vélos dessus. Bon, et bien voilà ce que ça donne avec les deux rails adaptés sur le porte-vélo. Donc maintenant, ben on fera un test sur le camping-car, mais bon, là, vous voyez à peu près ce que ça peut donner. Donc c'est un global qui nous est revenu, alors on a dit 300€ avec les deux rails, puisque le porte-vélo était à 249€, et je crois qu'on a payé la barre transversale, là, 30€, je crois, un truc comme ça. Allez, je prends la caméra pour faire un tour et bien vous montrer. Voilà, et vous pouvez voir ce que ça peut donner une fois tout modifié. On est un peu en contre-jour, je pense. Mais bon, je pense que vous voyez quand même. Donc voilà. Et je crois que monsieur, il a dit 31, là, le rail. Oui, celui du milieu, là, oui. Là. Celui du milieu, non, on l'a payé beaucoup moins cher. Ah, combien on l'a payé alors? On l'a payé 19,90€ exactement, bon, pour ne pas dire 20€ comme d'habitude. Bon allez, 20€, donc on est à peu près, on a dit 320€. Oui. Au lieu de... C'est vrai que ces deux rails-ci, nous n'étions pas obligés, puisqu'après tout, on avait un porte-vélo complet. Le système ne nous plaisait pas, mais celle-ci, on était obligés par rapport à la tâche qu'il y a sur ce porte-vélo. Autrement, on était obligé de manipuler, de le mettre sur le côté. Enfin, avec l'autre vélo, ça ne passait pas. C'était très compliqué. On s'embêtait. Donc, on n'a pas envie de s'embêter. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc, on a acheté cette barre qu'on peut également fermer à clé pour pas qu'on nous la vole. Et c'est beaucoup plus pratique. Et là, on a un porte-vélo comme ça. Voilà pour ce petit porte-vélo. Donc... Eh bien, on vous dit à la prochaine pour un nouveau tuto ou alors pour une belle balade. Ouais, voilà, parce que tuto, à mon avis, il n'y en aura pas. Tout est déjà fait sur le camping-car, quasiment. Donc, on vous dit à la prochaine. Abonnez-vous, likez, bisous à tous. Allez, bye bye. Bye.